Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, un nouveau format que je me sens profondément appelée, inspirée à vous proposer. C'est le message que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Donc je vais aller voir signe par signe quel est le message au moment où vous regardez la vidéo que vous avez besoin d'entendre. Et puis, surtout pas à commenter, me dire si cela vous a plu. Allez, c'est parti, signe par signe. Alors, les balances, quel est votre message? Quel est votre message? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, les balances? Le 5 d'épée, il y a des disputes. Alors, peut-être dans votre entourage, là, les balances, ça bataille fort avec quelqu'un, avec un patron, avec un amoureux, une amoureuse, des amis. Ou peut-être, si ce n'est pas de cet ordre-là, les balances, il y a quelque chose au niveau interne. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que votre tête désire et ce que votre cœur désire. Il y a peut-être ça tiraille. En tout cas, il y a quelque chose qui, au niveau du cœur, vous blesse en tout cas. On voit, il y a une espèce de rivalité, il y a des tensions, il y a des mots qui pourraient être dits, qui pourraient être blessants. Là, on vous invite, les balances, à faire le deuil. Peut-être, c'est peut-être ça qui est la source de vos disputes, à faire le deuil peut-être d'une relation, à faire le deuil de quelque chose au niveau professionnel. Mais on voit qu'il y a une profonde transformation. Il y a quelque chose à transformer de toute manière, à ne pas rester dans cet état de dispute, dans cet état de tension, même si c'est des tensions internes par rapport à un choix que vous avez à faire. On vous invite vraiment à transformer tout cela, à vous délester de ce qui ne vous convient plus, à faire le tri, à faire à ranger, à classer, et c'est surtout à faire le tri et de vous dire qu'est-ce que vous avez envie pour vous, les balances, pour retrouver un calme et une sérénité, à retrouver un équilibre. Je pense que les disputes qu'il y a eu, alors si c'est sentimental, il y a pu y avoir des trahisons au niveau d'un couple, il y a pu y avoir de la tromperie, il y a quelque chose comme ça. Si c'est au niveau professionnel, pareil, des trahisons, vous êtes senti peut-être floué par rapport à une promotion, par rapport à... vous mettez à ce que vous vivez, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à transformer par rapport à des blessures du cœur, là, les balances. Et on vous invite vraiment à transformer tout ça et à ne pas rester dans cette énergie qui vous tire vers le bas, de toute manière, qui n'est pas constructive. Il y a beaucoup, beaucoup de peur. Peut-être, voilà, vous avez peut-être peur de perdre une relation, peur de perdre un travail. Si vous dites votre envie, c'est de dire adieu, de faire le deuil de ce travail-là. Là, il y a beaucoup de peur qui tourne en rond. Il y a peut-être quelque chose de très obsessionnel qui vous empêche de dormir, là, les balances, par rapport à un choix. Vous vous sentez peut-être persécuté, alors à la fois par les autres, mais aussi peut-être par votre auto-saboteur intérieur. Là, on voit, il y a quelque chose comme ça, là, les balances. On voit que c'est une période là, qui est assez, assez difficile. On vous invite vraiment à retrouver beaucoup plus de douceur envers vous-même, vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez, à accepter cette vulnérabilité, à accepter que vous ayez peut-être envie de pleurer, à accepter que ça soit difficile. On vous invite vraiment à accueillir toutes ces émotions et à ouvrir votre cœur, là, les balances. Et c'est surtout ce que je ressens, c'est à être OK de montrer votre vulnérabilité, à OK de montrer votre douceur. On vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, à ne pas douter de vous, les balances, de votre pouvoir de réussir, de vos pouvoirs d'être séduisant, de pouvoir manifester ce que vous voulez au niveau professionnel. Là, on vous parle vraiment de la confiance en vous, là, les balances. Il y a quelque chose à restaurer à ce niveau-là. Je pense qu'il a été extrêmement blessé. On vous invite vraiment à ne pas douter et à vous faire confiance de nouveau, les balances. Peut-être que pour certains, ça va demander par rapport à cette confiance en vous, à peut-être faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider à restaurer l'image de vous. On voit qu'il y a quelque chose là, je sens, à restaurer. Vous pourriez faire appel à un thérapeute de ce que je ressens, ou trouver une amie, un ami qui soit de bons conseils, qui pourrait vous aider vraiment à restaurer cette confiance en vous. Peut-être passer par de l'art-thérapie aussi. Vous verrez comment ça peut résonner pour restaurer cette confiance en vous. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là pour vous, pour vraiment ramener un équilibre dans votre vie, les balances.
Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Oui, on vous invite vraiment à tourner le dos au passé, à ne pas vous laisser embarquer par de la tristesse, par de la mélancolie. Et tout ça, oui, pour certains, il va falloir vraiment se faire aider de ce que je ressens. Vous n'allez pas pouvoir y arriver tout seul hein, ou toute seule. Là, il faut vraiment soit actionner votre cercle amical et trouver du soutien, ou vraiment aller voir peut-être quelqu'un. Vous savez, il y a des thérapies qui sont assez brèves, hein, qui peuvent vraiment vous aider à tourner le dos au passé et vraiment à restaurer la confiance en vous, une belle image de vous, de ce que je ressens, les balances. Il y a quelque chose comme ça. Oui, vous voyez, le roi de coupe est tombé. C'est le roi de coupe, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin hein, aussi. Donc, je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça pour vous, certaines balances. Pour vraiment tourner le dos à ce passé, à cette tristesse et ne pas se laisser happer par ça, hein, les balances. Et voilà, il y a vraiment à la fin, je pense que le 9 de coupe, ça va vraiment, ce que je vous disais, ça va vraiment restaurer votre image et vous allez retrouver la sérénité et la paix, là, les balances. Si vous faites un travail sur vous-même, si vous cessez le conflit à l'intérieur de vous. Hein. Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Quel est le conseil, le message que l'on vient vous donner, les balances? Voilà, j'ai envie de vous dire, tant que vous ne passez pas à autre chose, les balances, ça retarde la suite des événements, ça retarde le 9 de coupe qui est toujours un happy end, qui est vraiment des vœux qui se réalisent, ça retarde peut-être des projets qui sont là pour vous, ça retarde vraiment peut-être quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental, amoureux. Là, on vous dit bien, eh bien peut-être que voilà, plus vous vous mettrez à vous débarrasser du passé, à vous délester dans cette énergie de la mort, hein, de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, eh bien, ça, le changement arrive. Et tant que vous ne faites pas ça, ça retarde votre évolution, là, les balances. Hein. Allez, on y va. Quel est le gardien de la lumière? Vierge Marie, paix, amour, abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix. C'est un peu ce que cette carte vient un peu nous dire, le 5 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez avoir la paix? Choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Oui, je sens qu'il y a vraiment, il peut y avoir une guérison de votre cœur, mais ça va vraiment demander pour moi, peut-être que vous faites appel à une aide extérieure hein, pour vous les balances. Voilà, dites-moi bien comment ce message résonne et puis si ce format vous convient, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour votre guidance. Bye bye les enchanteurs.